Coucou tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle séance ensemble. Moi c'est Lydie, coach sportif diplômée d'État, et pour aujourd'hui je vous propose une mini-séance de 4 minutes que vous pouvez réaliser soit à la fin d'une autre séance, soit effectuer seul sur un tour si vous n'avez pas le temps, et dans l'idéal 3 tours. Vous aurez besoin d'un tapis ou d'une serviette, d'une bouteille d'eau, et on est parti! Très bien, on sera allongé sur le dos tout au long de cette mini-séance. On va faire un exercice qui va évoluer au fur et à mesure. On commencera jambes, si possible, tendues vers l'avant, le bas du dos bien plaqué. Si vous avez du mal à garder le bas du dos plaqué, vous pouvez tout à fait décoller les omoplates du sol. Si vous sentez trop le bas du dos qui tire, vous redressez les jambes en direction du plafond. On va tenir en statique pour cette première position. Si c'est trop compliqué avec les jambes tendues, vous fléchissez les jambes. Vous êtes prêts? Allez, let's go! On inspire et on expire. On essaye de bien garder le nombril rentré dans le ventre. Les omoplates soit collées au sol, soit décollées du sol. Là, c'est à vous de voir au niveau de vos sensations. Par contre, le bas du dos bien, bien plaqué contre le sol, sans forcer avec le dos. On maintient, on résiste. Très bien. Vous relâchez, vous fléchissez les jambes ou vous les gardez tendues et les talons vont descendre en direction du sol. Donc soit jambes tendues, soit jambes fléchies. On est parti. On essaye de prendre le moins d'appui possible avec les bras sur le sol. Et même chose, vous pouvez tout à fait décoller les omoplates du sol. Expirez quand les jambes remontent. Tenez bon. Descendez un peu moins si vous sentez trop le bas du dos qui tire, le nombril toujours bien rentré. Et relâchez. Cette fois-ci, vous allez ramener les genoux vers la poitrine et repousser les deux jambes tendues vers l'avant ou vers le plafond. On est parti, go. Donc toujours pareil, vous pouvez décoller les omoplates du sol si vous êtes mieux pour plaquer le bas du dos. Vous pouvez descendre un peu plus les jambes si vous le sentez au niveau des abdos et du dos. Si vous sentez que ça tire trop sur le bas du dos, dirigez plutôt les jambes vers le plafond. Et relâchez. À présent, une jambe puis l'autre. Vous pouvez effectuer que le mouvement des jambes. Vous pouvez effectuer le mouvement bras-jambes opposé. Go ! S'enrouler sur l'épaule qui est au sol. Expirez en ramenant l'épaule vers le genou opposé. Ne bloquez pas votre respiration, le bas du dos est toujours bien plaqué. Écartez bien les coudes sur le côté. Et relâchez les jambes tendues en direction du plafond. On descend une jambe, puis l'autre vers l'avant, ou vous pouvez le faire également, jambes fléchies, go. Expirez quand la jambe remonte. Toujours même chose, vous pouvez décoller les omoplates du sol au besoin. On résiste. Tenez bon. Et relâchez. Les deux jambes tendues, on va écarter les jambes sur le côté et les resserrer. Omoplates décollées du sol ou non. On est parti. On écarte, on resserre. Là, vous devriez ressentir à la fois les abdominaux et l'intérieur des cuisses. Essayez de prendre l'appui le moins possible sur les mains. On essaye d'accélérer un petit peu la cadence si on est très à l'aise. Et relâchez. À présent, tout petit battement croisé-décroisé. Vous pouvez les faire plus en direction du plafond, plus vers l'avant. Si vous y arrivez, on est parti. On croise, on décroise rapidement. On essaye de ne pas être sur la promenade du dimanche. Rapide, rapide. Ça part bien des hanches et non pas des genoux. On croise, on décroise. Il reste 10 petites secondes. On s'accroche. On le fait jusqu'au bout. Et le dernier, cette fois-ci, ce seront de tout petits battements de haut en bas. Même chose, soit les omoplates décollées du sol, soit le bas du dos bien plaqué. On est parti, go ! Tout petit battement, ça part des hanches.
La cuisse s'éloigne du buste. On résiste. On tient bon. C'est le dernier exercice. Résistez, résistez. Gardez bien le nombril rentre et ne bloquez pas la respiration. Plus que 3, 2, et relâchez. C'est parfait. J'espère que vous avez ressenti vos abdos chauffés. N'hésitez pas à refaire ce circuit, à augmenter le nombre de tours. Vous pouvez vous applaudir très fort. Allez faire un tour du côté de mes autres vidéos. Pensez à vous hydrater. À très bientôt !